Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, ben on va clôturer, on va dire, le salon IAE. Aujourd'hui, c'est le dernier exposant, c'est ni plus ni moins que RSI, Robert Space Industry tout simplement. Oui, comme le site. Et donc, ben, on va aller visiter un peu... ce salon, voir les différents vaisseaux proposés, et puis ensuite on va aller voir la nouveauté. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, je regardais une publicité sur le cutter. C'est vrai que le cutter en starter pack, pour ceux qui veulent débuter une game, ça peut être une option intéressante. Ça peut être une option intéressante, mais c'est le prix qui me fait un peu tiquer quand même. Parce que là, il est en promo, après 70 balles, il y a quand même un Aurora, ça reste quand même, et un Mustang, ça reste quand même moins cher. Les gens qui commencent le jeu n'ont pas forcément envie de se ruiner. Et, mieux vaut filer 50 balles que 70. Hein. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Hein. Alors, l'ascenseur est là. Alors, RSI, c'est à l'Apex. À l'Apex Hall. Il est en bas. Voilà, c'est super. Robert Space Industry. Alors, voyons voir. Et ici. On va passer par le milieu. On va voir un peu ce qu'il y a. Et salut Twist, comment tu vas? Non, c'est pas encore ça, mais ça va. C'est mieux qu'hier soir en tout cas. C'est mieux qu'hier soir, mais j'ai encore des douleurs dans le dos là, puis je crache. Je crache quoi. Alors, on est sur de l'Andromeda, là? Ouais, c'est en bonne voie, oui. On est sur de l'Andromeda, RSI Andromeda.
Alors, on va appeler l'élévateur. Nous voilà dans l'Andromeda. Je vais l'allumer. On y verra plus clair. Ben, il est allumé. On rallume. Alors. Ah, il y a Lazy qui dit, c'est bon, j'ai l'Apollo, je retourne me coucher. Et le Galaxy, je me vois bien le farmer in-game à la release. Oui, ou même avant. Donc on a trois places à l'avant. Donc le pilote au centre, copilote à droite, responsable transmission à gauche, deux tourelles, une au-dessus et une en dessous. Alors on va regarder si on peut accéder à celle du dessus déjà. Vous voyez, on peut. Oula. Alors voilà, on a deux badgers, taille 2. Alors la tourelle est sympa parce qu'on a une très bonne vue. Après, c'est une tourelle avec de l'armement petit, mais avec pas mal de tirs. Hein. Si j'allume, ça va peut-être donner le nombre de munitions disponibles. Exit Power On. Ah non, il ne l'affiche pas. Mais c'est environ 200 munitions facilement. 200 munitions. Alors, on va montrer le système de rétractation de la tourelle, c'est assez marrant. Allez, on s'en va. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, on va arriver dans la zone de vie. Donc là, on a les toilettes. On a l'ascenseur par lequel on est arrivé. On a des rangements. Normalement, là, on a une table qui sort du sol. Et réussi pour faire monter les dames à bord, c'est quelque chose. On a un rack où on peut mettre deux armes. On a des petits espaces de rangement pour l'équipage. On a quatre lits. On a une soute cargo. On peut rentrer un Ursa dedans facilement. On a environ 50 missiles, moitié-moitié entre des tailles 1 et des tailles 2. Alors 50 missiles, ça commence à faire pas mal. On a deux panneaux là, deux sas de sortie pour faire des EVA de chaque côté. Voilà. Donc le cargo descend directement au sol, hein, plus simple pour le charger. Ensuite, on a la pièce des composants. Alors pour l'instant, ils sont pas fonctionnels, il n'y en a aucun qui s'ouvre. C'est un des premiers vaisseaux sortis in-game. Et là, on a l'accès au petit chasseur parasite, le Merlin, le P-51 Merlin. Donc on peut monter directement dans le cockpit du Merlin et se désarimer du vaisseau pour partir. Alors, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, je suis pas fan de ce système-là. En armement, le pilote, il a quatre armes. Alors, soit vous avez un mix qui est faisable, c'est d'avoir quatre armes de taille 4, ou alors deux armes de taille 5, deux armes de taille 5 et deux armes de taille 4. Vous pouvez les paramétrer comme ça.
Alors ça, c'est pour le premier. Là, ici, je pense que ça doit être l'Aquila. Je vais vérifier, mais ça ressemble beaucoup à l'Aquila. Voilà, l'Aquila. Alors lui, c'est à peu près la même chose, sauf le cockpit qui est légèrement différent. Bon, on va monter, on va regarder. Alors lui aussi, il a un chasseur parasite. Les intérieurs se ressemblent, hein, c'est comme pour les freelancers. Ça se ressemble beaucoup. Sauf là, vous voyez, la verrière qui est un peu différente par rapport à l'autre. Mais en final, il n'y a pas une grosse différence, hein. Par contre, lui, il a une tourelle en bas. Et en haut, c'est un scanner normalement. Ah non, c'est Upper Tourette. Ah non, c'est deux tourelles. Ah oui, il a deux tourelles aussi, lui. Ah, je croyais qu'il avait un scan à la place. Et après, bah, au niveau pour le reste, c'est la même chose, hein. On va regarder, vous voyez, c'est le même cargo. Ah, c'est un scan en haut, d'accord. Hein. Parce que je voulais marquer Upper. Ah, bah oui, d'accord. C'est un scan. Et là, je ne sais pas combien il a de missiles. Peut-être autant que l'Andromeda, mais ça me paraît très étonnant. Surtout que là, je les vois dans une, avec un autre aspect. Ah, t'es en slip, je sais pas si t'es au courant. Remarquez, on peut piloter décontracté dans le Constellation. Hein. Alors là, on a un vaisseau particulier. C'est le RSI Mantis. Je crois qu'il y a une touche. Oui, ça doit être ça. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un vaisseau qui, normalement... Ouais, mais les toilettes là-dedans, j'avais pas fait gaffe. Normalement, il y a une couchette aussi. Ça doit être là. Oui, voilà. Il y a la couchette qui est là. C'est un vaisseau qui sert à intercepter les autres vaisseaux dans les quantums. Ou les empêcher de sauter en quantum. Il a une fonction d'interdiction de quantum, en fait. Enfin, il a deux fonctions. Il a deux fonctions, je me rappelle plus trop exactement, mais il peut faire deux choses. Soit intercepter les vaisseaux pendant qu'ils sont en quantum, soit justement le... Oui, vaisseau pirate, ou vaisseau de police, hein. Il fait les deux, en fait. Exit... Je ne sais plus où c'est qu'on active le système. Power off. Open extérieur. Power. Ah, voilà. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça pour l'activer. Ça doit être ça. Notre genre, il a... Il a deux armes de taille 3. Deux FL-33, c'est des canons laser. Donc il n'est pas super armé, mais bon, ça va. Il y a pire, hein. Alors ensuite... Ah bien, on a le X-Wing de Star Citizen, le Scorpius, chasseur lourd. Alors là, on voit dans sa configuration... on peut pas... Il est bugué.
Ah. Ouais, bon, on peut pas monter à bord. C'est un deux places, un pilote et un copilote. Le copilote a accès aux tourelles qui sont sur le toit. En puissance de feu, il est équivalent à un Hurricane. La particularité, bah voilà, justement, on la voit maintenant. La tourelle est ici, mais elle est sur un rail qui lui permet d'aller sur le toit. Et normalement, les ailes se déplient, les quatre ailes qu'on voit là se déplient, ça fait comme un X-Wing. Hein. Et là, il est d'origine avec quatre armes de taille 2, si je dis pas de bêtises, et on peut monter quatre armes de taille 3. Et la tourelle a quatre armes de taille 3. Ce qu'en fait un vaisseau plutôt violent, assez agile. Et oui, tout le monde essaie de monter, et pas possible. Alors, là on a le... Ah bah oui, lui on va aller le visiter. Le Constellation Phénix. Ou quoi commencer le luxe. Ou comment commencer le luxe à pas cher. Ah zut, il y a Joker. Ah. Excusez-moi. Et bonjour, Joker. Comment ça va-t-il? Ça va-t-il bien? Ça va bien, ça va bien. Ah, tu m'excuses, je suis en stream. Je suis en train de faire la visite du salon. Ah bah mais je t'en prie, continue ta visite. Et donc, alors, on disait, on est dans le RSI Phoenix. On est en train de regarder un peu le... Ah ben, il y a Twist qui te passe le bonjour. Ah bah twist. Je te le renvoie. Et donc, on est en train de regarder un peu l'intérieur du RSI Phoenix, donc les sièges blancs, hein, tout de suite, ça fait beaucoup plus classe. Enfin, le cockpit ressemble beaucoup à l'Andromeda. On va aller voir un peu l'intérieur vers l'arrière. Alors, la zone de vie, c'est exactement comme pour les autres constellations. Il n'y a qu'à partir du moment où on passe ici, où voilà, là, on voit un petit changement. Alors, à droite, c'est ouvert, on voit une chambre. Et là, une chambre pour les passagers. Avec le petit aquarium, s'il vous plaît. Et les bubules. Une autre chambre ici. Ils sont plutôt bien traités, les passagers, hein. Là, un endroit pour s'asseoir, deux fauteuils assez tranquilles. Et là, on a une grande baie vitrée où on voit tout. Et on voit tous ceux qui essaient de monter dans le vaisseau et qui n'y arrivent pas. Ouais, c'est embêtant. Hein. Ah merde, il y arrive. Ah! Ah la vache, il y arrive. Il arrive à monter dedans. Bah, je vais y revenir après. Alors là, on a d'autres fauteuils, une table. Là, on a le fameux bar. Quand vous regardez les Inside Star Citizen, Jarret du Cabi, ben, c'est là qui picole. La petite table. Ici, normalement, on a un jacuzzi, mais qui n'est pas fonctionnel. Ah, il n'est pas fonctionnel. On a une chambre pour les couples, avec vue sur l'extérieur aussi, hein. Plutôt sympa. Ça, c'est le vaisseau de luxe, hein, par excellence, hein. Et après, on arrive dans la salle des composants. Voilà. Et en dessous, ici, là où il y a un panneau noir, là, ici, on a l'accès au cargo. Voilà, on voit le cargo qui descend. C'est un vaisseau qui a pas mal de fans, hein, le RSI Phoenix, le Constellation Phoenix, pardon. Il a son lot de fans, ce vaisseau, parce qu'il permet d'avoir un vaisseau luxueux pour pas trop cher.
C'est, je crois, moitié moins cher, enfin pas loin d'être moitié moins cher qu'un vaisseau origine, par exemple. Alors, est-ce que ça va marcher là? Ah, oui, ça va marcher. Donc là, on est au poste de pilotage. Alors moi, il y a un gros point noir sur ce chasseur. Un très gros point noir. Pour moi, c'est les écrans. Il n'y en a que deux. Pour un fighter, deux écrans, c'est... Pour moi, c'est un handicap. Quand vous avez besoin de faire une sélection, là vous avez normalement le self-statut et l'indicateur de cible, mais normalement on devrait avoir deux autres écrans, et là on les a pas. Et ça, moi je trouve ça bah nul, j'aime pas. C'est ce qui me fait pas aimer le Scorpius. Deux écrans pour moi, c'est clairement pas assez. Autrement, il est pas mal, hein. Il n'est pas vilain. Alors là, on le voit grosso modo comme il est. Donc on voit l'avant. Donc on voit la tourelle. Et normalement, vous voyez, elle vient se loger jusqu'en haut là. Elle vient se loger jusqu'en haut, à peu près ici, là, en plein centre, là, oui. Là, on voit les petits boutons lumineux, vert, rouge, voilà, bleu un peu, voilà. Elle vient aller se loger jusque-là. Donc ça, c'est le gunner qui fait une manipulation pour bouger la tourelle. Autrement, on peut la placer ici à l'arrière pour attaquer des cibles au sol ou des choses comme ça. Alors... Mais quitte à choisir, je lui préfère le Hurricane. Alors, il est assez costaud. Il est assez costaud. On peut pas aller sur le copilote. Enter pilot seat. Ouais, on peut pas aller. Bon, c'est pas grave. Et le dernier de la famille, eh bien, on a le Constellation Taurus. Alors lui, pour les farmers, il est très utile. Alors l'avant, c'est comme l'Andromeda, hein, c'est la même chose. Sauf que voilà, le cargo, c'est plus la même taille, hein. Là, des Ursas, vous en rentrez deux facilement. Il a 172 ou 174 essieux de cargo. Il n'a pas de vaisseau parasite à l'arrière, c'est que du cargo, hein. Mais il est plutôt sympa, hein. Il est plutôt sympa. C'est un des tout derniers nés de la gamme ici, hein. C'est un des tout derniers apparus dans le jeu. Et c'est certainement peut-être le plus utile à l'heure actuelle. Quand vous voulez faire du transport de marchandises, c'est certainement lui qui va vous servir le plus. Alors, je cherche le petit salon. Ah bah c'est là-bas. On va aller là-bas, puis on va faire les salles holographiques en dernier. Voilà, à quoi ressemble le RSI Scorpius? On voit avec les ailes déployées. Voilà à quoi il ressemble, le pépère. C'est un X-Wing, hein, ni plus ni moins. J'ai pas trop d'opinion à son sujet, parce que j'attends quand même quelques patchs, voir s'il va perdre des plumes dans l'histoire, s'il est rééquilibré ou pas. Ah, on a encore un Mantis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme Aurora?
Ah bah ça doit être l'Aurora Légionnaire. Le LN. Line Fighter. Alors lui, il est clairement fait pour la baston, hein. Donc deux taille 1 à l'avant. 4 missiles sur le toit. Deux taille 1 encore sur la ici là. Donc il a 4 taille 1. Ça commence à faire pas mal pour un petit chasseur comme ça. Alors on va monter dedans, tiens, tant qu'à faire. On va faire visiter un peu la bête. Alors les Aurora, le MR, c'est celui qu'ont eu les gens en pré. C'est un starter pack. Hein. On a 4 bulldogs. Et les missiles, c'était quoi? Ah, des Dominator 2, il en a 4. 4 Dominator 2. Ah, c'est déjà un peu plus sérieux là. T'as pris ça? En store crédit? Ah bah oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, le MR. Le starter pack. Donc le cockpit, c'est exactement le même, hein. Sauf que là, vous avez deux taille 1, deux bulldogs, et c'est tout. Et vous devez avoir deux missiles aussi, de taille 1. Alors lui, il a l'air d'être un peu mieux armé. On dirait qu'il a deux taille 2. C'est lequel, celui-là? Le Helix, ah, bah, c'est la version... C'est laquelle version, celle-là? Pathfinder, ouais. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Donc le Mantis qu'on a déjà vu tout à l'heure. Alors ici, on a quoi? Un Aurora de compétition. Le S, Pathfinder aussi. Il y a beaucoup de doublons, je trouve, dans les vaisseaux ici, dans les Aurora, là. Deux modèles auraient largement suffi. Bah, le MR et puis le... celui qui est bardé de missiles, là. Mais là... Là, des fois, je me pose la question de l'intérêt de faire autant de versions d'Aurora. Celui-là, c'est lequel? Le CL. Light Freight. Ah, c'est un cargo, celui-là. Il est conçu pour le cargo, celui-là. Ah, éventuellement, ouais. En modèle refuel, ouais, ça peut être sympa. Eh ben, on a vu les Aurora. Alors, les cockpits, hein, c'est tous les mêmes. Hein. Les quartiers d'habitation, c'est exactement la même chose. À 2-3 détails près, les couleurs ou des choses comme ça. Et ensuite, donc on va aller voir les hologrammes, tout ce qui est hologramme. Et on va avoir donc le nouveau RSI Galaxy, normalement. À moins que je sois passé, il y avait peut-être une autre salle. Mais normalement, non, il est en hologramme. Je t'avouerai que le RSI Galaxy me laisse un peu de marbre. Ah oui, il est joli. Le hangar sur l'arrière, c'est plutôt bien trouvé. Mais après, en dehors de ça, me hype pas plus que ça.
Bah, le RSI, leur gros défaut, c'est les moteurs qui sont extérieurs à la coque. Donc, vulnérable, très vulnérable au niveau des moteurs. Alors, ah, voilà, l'URSA. Alors ça, par contre, chez RSI, c'est peut-être l'engin le plus sympa en tout terrain. Le RSI URSA Rover. Donc là, on peut l'ouvrir à l'arrière. Il y a des places assises, hein. Vous avez quatre places assises à l'arrière, deux à l'avant. Hop là. Vous avez là le cockpit. Allez, on va entrer dans le poste de conduite. Et quand on est seul, on peut commander les bulldogs. On a une petite tourelle rétractable au-dessus qui permet de se défendre, hein, tout simplement. Normalement, c'est le copilote qui la commande, la tourelle. Mais quand vous êtes tout seul, bah, vous pouvez la commander en tant que chauffeur. Et on se retrouve. Voilà, c'est celle-là. Comme quoi, il y a des bugs intéressants dans IC, hein. Il y a des bugs intéressants. Voilà, vous avez la tourelle qui est là. Et quand vous voulez ranger la tourelle, ouais. Quand vous voulez ranger la tourelle, ben, elle va glisser le long du véhicule et se ranger à côté du pneu, là. Ah, mais le MSR hier, c'était une galère. Hein. C'était une galère, le MSR hier. J'ai voulu aller le visiter, il n'y a aucune porte qui fonctionnait. C'était. Vais pas être fan avec le MSR, moi. Bah, de toute manière, cette IAE, ça aurait été un festival de bugs en tout genre. Que CIJ compte pas. Ouais, que RSI ne compte pas que j'en dise du bien de l'IAE. Hein. Alors, bah, je crois que c'est ça. Ah non, c'est quoi ça? Bah si, ça a l'air d'être ça. Ah non, RSI Apollo Triage. RSI Apollo Triage. Donc, on va dire c'est un demi-constellation axé sur le médical, là. Quand on le voit comme ça, il est pas. Je suis pas hypé quand je le vois comme ça. Hein. En holographique, ça rend pas bien. Alors qu'en photo, il rend beaucoup mieux. Ils le définissent comment? Médical, non? Ouais, médical. Apollo triage. Médical. Alors ça, normalement, ça doit être le Polaris. RSI Polaris, la Corvette. Enfin, ils disent Corvette. Moi, j'utiliserai pas trop ce terme-là. Faut plutôt le voir comme un sous-marin. Faut plutôt le voir comme un sous-marin. Il est bardé de torpilles taille 10. Il apparaît sur le champ de bataille. Il balance ses gros joujoux et il se barre. Lui, c'est plutôt l'attaque par surprise. C'est une sorte de sous-marin. C'est une sorte de sous-marin. Normalement, il peut embarquer un chasseur avec lui. On voit des images, des JPEG où on voit un Gladius monter à son bord. Ah, alors je crois que ça, c'est le tout nouveau. Ouais, c'est le tout nouveau. Le RSI Galaxy. Le RSI Galaxy Focus Modular. Ah oui, alors ça. Enfin, c'est bien de dire modular, mais ça fait. Le Caterpillar aussi est modular, et on n'a rien vu pour l'instant du Caterpillar en modular. Donc, à mon avis, celui-là, le temps qu'il soit modular, on en aura mangé du lard. Très honnêtement, je suis pas hypé.
Déjà qu'ils sortent les concepts annoncés depuis 2 ans, et puis on en reparlera. Alors peut-être pas les capital ships, parce que ça prendrait beaucoup trop de ressources sur les serveurs, mais déjà sortir le Perseus, le Nautilus, le Gratmolanus, enfin des trucs comme ça, quoi, voilà. Déjà qu'ils sortent ça, et puis on verra après, hein. Pour l'instant, pour celui-là... Alors, vu d'en dessous, il est marrant, il y a une petite connotation Star Destroyer de l'Empire, hein, mais voilà. Ouais, alors lui, par contre, m'intéresse davantage. Mais pareil, c'est un JPEG, hein, ou un holo, on va dire. Là, on a le Perseus. Le Perseus. Alors là, déjà, on est dans du bébé fait pour casser des tététes, hein. C'est du bon gros vaisseau taille large avec 2 tourelles. Et sur les 2 tourelles, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre 2 taille 7. Donc, 4 taille 7 qui vous tirent dessus en simultané. Je vous laisse imaginer l'effet que ça doit faire. Et en plus de ça, pour sa protection rapprochée, il a 2 tourelles balistiques taille 3. Donc, il a une dessus et une placée sur l'arrière, il me semble. Ouais, je crois que c'est elle qu'on voit sur l'arrière. Et une juste au-dessus, là, voilà, on la voit tout en haut. C'est des Gatling, mais on peut les remplacer par des lasers, bien sûr. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, le monsieur, il embarque des petites torpillonnettes de taille 5 qui peuvent vous lâcher dessus à tout moment. Voilà. Il a un petit peu de cargo, on peut rentrer un Ursa à l'intérieur. Il y a une trappe qui s'ouvre et vous pouvez rentrer un véhicule de type Ursa. On voit la tourelle qui est en dessous, hein. Elle est bien profilée. Et on voit celle qui est devant aussi. Alors le Perseus... Et surtout, alors l'avantage, c'est qu'il a une puissance de feu démoniaque. On se dit, bah, il faut être au moins 10. Ben non, 4 bonhommes suffisent. 4 bonhommes suffisent pour piloter l'ensemble. Ce qui est plutôt pas mal. Déjà, quand on sait qu'on a du mal déjà à trouver 3 personnes dans certains équipages, 4, ça commence, on peut encore trouver. Au-delà, ça devient plus compliqué déjà. Eh bien, messieurs, dames, voilà. J'ai fait ce que j'avais promis, faire visiter tous les salons de l'IAE. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux partir en paix, mourir. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ah, je vous cacherai pas que c'était un peu pénible aujourd'hui parce que je suis pas en super forme. Je suis pas du tout en super forme. Et voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi, je vais aller me reposer parce que je suis fracassé de chez fracassé. Et on se dit à bientôt dans le verse quand je serai un peu plus en forme. À ciao ciao tout le monde.